Des milliers d'habitants de la ville de Latakia descendent dans la rue en signe de soutien à l'armée arabe syrienne. Des manifestations de masse turques réclament la démission d'Erdogan suite à la décision de son gouvernement de mettre en application la loi sur la censure d'Internet. Nouvelle agression aérienne israélienne sur la bande de Gaza au moment où des colons israéliens attaquent à nouveau la mosquée d'Al-Aqsa. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. Des milliers d'habitants de la ville de Latakia ont organisé une marche imposante pour exprimer leur appui à l'armée arabe syrienne dans ses opérations contre les groupes terroristes armés et aux constantes nationales exprimées par la délégation officielle syrienne à la conférence de Genève 2. Les participants à la marche ont arboré le drapeau syrien et scandé des slogans saluant l'armée arabe syrienne qui fait face au terrorisme. Deux citoyens ont été blessés lors de la chute d'un obus de mortier lancé par des terroristes sur l'immeuble d'An-Nafiza Al-Wahida, guichet unique, dans le gouvernorat de Damas. Cette attaque a également endommagé l'édifice en question. L'armée arabe syrienne a poursuivi ses opérations contre les terroristes armés à Zara dans la campagne de Homs, tuant un grand nombre d'entre eux, dont des Libanais. En Irak, 10 policiers et militaires ont été assassinés dans deux attaques terroristes, dont la première s'était produite dans la ville de Toz, Khermato, où des terroristes liés à l'État islamique en Irak et au Levant ont encerclé un campement de police et tué tous les policiers qui gardaient un stade en construction près de Tous Khermato dans la région de Salah Din. Pour sa part, une source de police a indiqué que 4 soldats avaient été abattus et 2 autres avaient été blessés dans une explosion visant un rassemblement de l'armée à Ramadi, le centre du gouvernorat d'Al-Anbar. En Palestine occupée, 2 jeunes Palestiniens ont été blessés dans un raid mené par l'aviation israélienne sur la région de Deir el-Balah en plein centre de la bande de Gaza. Les forces israéliennes ont lancé une roquette sur l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa, faisant 2 blessés palestiniens. D'autre part, des colons israéliens épaulés par les forces d'occupation israéliennes ont de nouveau pris d'assaut l'esplanade de la mosquée d'Al-Aqsa du côté du portail d'Al-Maghrib. D'autres colons israéliens ont déraciné 800 oliviers dans le village Sinjel au nord de Ramallah en Cisjordanie. L'Iran a repris dimanche à Téhéran ses discussions avec l'Agence internationale de l'énergie atomique pour examiner les perspectives de la coopération à l'avenir entre les deux parties. A noter que les deux parties avaient auparavant examiné les relations de coopération et l'accord signé entre le chef de l'agence atomique iranienne Ali Akbar Salehi et le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les négociations ont été bonnes, constructives et sont en progrès, a affirmé le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Behruz Kamalvandi. En Turquie, le gouvernement Erdogan a commencé à appliquer la loi de censure sur l'Internet avant son approbation par le président Abdullah Gül, provoquant la colère du peuple turc qui a organisé une manifestation de masse sur la place Taksim pour réclamer la démission d'Erdogan impliqué dans les actes de corruption. Les manifestations ont dégénéré en affrontements entre les protestataires et les forces d'Erdogan qui avaient bloqué toutes les routes menant au parc de Kazi, symbole de la révolte
turque contre sa politique. Les forces d'Erdogan ont utilisé le gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc, faisant des centaines de cas d'asphyxie parmi les manifestants, y compris des dizaines d'enfants. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.